Nous allons aller dans un navigateur web, côté que nous allons chercher une image de wash. Par exemple, moi, je vais aller sur Internet, je vais taper galet. Et puis, dans la partie image, là, donc, nous avons une quantité de wash qui est disponible. OK. Et puis, je continue à chercher. De cliquer sur n'importe quoi ça par hasard. OK. Sur n'importe quoi ça par hasard. Jusqu'à ce que nous devons tomber sur toi, ça. OK. Ma bien pour me partager avec nous. Dans un fichier zip. OK. Donc, nous devons prendre toi, ça. Sur Internet. Donc, je me dis non. Ma bien pour me partager avec nous. Et que je vais choisir d'utiliser un ladder, par exemple. Je décide de servir avec l'image, ça. Que je vais ouvrir dans Photoshop. Je fais clic droit et puis je fais open with et puis je choisis ouvrir avec Photoshop. Donc je me dis nous allons utiliser Photoshop pour nous capables de faire des interfaces sur Internet. Ça veut dire nous allons utiliser Photoshop pour le web. Donc j'ai noté dans l'introduction pour ça, noté que nous avons pour nous faire un wall over. Ça nous relève sur vol en français à partir de Photoshop. OK. Une fois que l'image est ouverte, je vais remettre la palette Photoshop dans la place. Je vais faire un reset. OK. Là, m gen image a côté que mon bra sélectionné yon nan wash mwen yo pou m capable bali yon aspect pou lè nan gen pou nou fè wall over. Mwen clique sou quick mask lan. Men la. Quick mask. Ensuite, mwen pran outil pinceau. Moi fais un clic droit et puis moi agrandir dimension pinceau là dimension brosse moi et puis me sûr que premier plan dans lien noir et puis me commencer peinturer en noir même si nous il ba nous en couleur transparent m'a peinturer en noir sous wash ça juste pour capable faire une sélection sur lui. Donc, je me dis non, même si nous avons liban ou aspect rouge clair, mais qu'on est que c'est en noir que ma peinture est sous lui. Et c'est ça qui arrive, nous déborder, nous presser touche X pour nous gagner partie blanc et puis pour nous retirer côté de déborder. Nous sommes capables de tenter tout réduire la dimension bosse noire. X pour nous intervertir. Même si nous rendons compte que nous avons débordé, ce n'est pas trop grave. Et puis, nous avons rectifier ça, nous pressons X. Il y a un raccourci clavier que nous sommes capables d'utiliser pour nous agrandir la dimension de bosse noire. C'est presser touche Alt sur le clavier et puis cliquer avec le bouton droit. Là, si que nous allons en haut. En bas. Ça, c'est dû te bosse nous on a corrigé, on a changé. Sinon, aller de gauche vers la droite, c'est dimension bosse nous on a agrandi. De gauche à droite, c'est pour dimension bosse là. De haut en bas, c'est pour dû te bosse. OK? Donc, quand nous peine en blanc, donc c'est retirer, nous retirer sélection. Si nous pressons X ou bien nous pressons sur ce taquet, nous peine. Et bien là, nous ajoutons sélection. Voilà. Maintenant, une fois que nous finissons, nous cliquons encore sur le bouton Quick Mask. Là. Et puis là, comme par magie, nous avons sélection. Donc si nous rendons compte que sélection est débordée,
Eh bien, c'est parce que moi, t'es débordé le ta peine sous wash moi. Pour nous rectifier ça, nous recliquer encore sur quick mask là. X pour nous intervertir. Bouton Alt et puis m'aller vers la gauche. Et puis, moi, fais zoom avant. Ensuite, moi, peine à rebord ça pour me retirer. Partie que m'a souhaité qui dans sélection. Après, c'est bas d'espace pour me faire un panorama, un panoramique. Bas d'espace pour me faire un panoramique. Ok? Donc là, m'a retiré partie côté que m'a débordé. Ok? Donc ça, c'est toute partie côté que m'a débordé. M'a retiré là. De telle sorte que l'aime fait sélection. Pour sélection tomber exactement. So wash moi pour lui prendre exactement partie que me souhaiter qui sélectionner. OK. Voilà. Donc une fois que me satisfait, me represser encore quick mask là et puis voilà ma sélection. Là qui ça sélectionné, et bien c'est toute partie image qui sélectionné sauf wash ça que m'ta travaille sur lien. Donc n'a remarqué sélection ça qui relé défilé de fourmis, li sélectionné, li étendu sur toute image là. Donc si moi besoin sélectionner wash là, et bien faut que moi intervertir sélection. Donc là on va aller dans select inverse. Sélection intervertir. Donc là, gain seulement wash moi qui sélectionné. Quand on va mettre un calque de réglage sur wash moi, soit nous capable aller là, nous cliquer, nous choisir une calque de réglage ou du moins on aller dans menu layer et puis new adjustment layer, nouveau calque de réglage. Par exemple, nous capable choisir hue saturation par exemple. Pour nous capable colorer ou bien colorier wash noir. Donc là, si nous jouons sur curseur, ça va prendre compte que côté de sélectionner le wash, il commence à changer aspect étant donné que wash noir il était gain en pile gris là-dedans, nous capable cocher colorize. OK. Voilà. Donc une fois que nous rivé sur une couleur qui fait nous plaisir, nous camper là. Après nous compte le nous mettre calque de réglage noir sur wash là, sélection il était disparaître. Et sélection il vient transformer en calque de réglage. Noël. Donc voilà, si moi retire tiger bon calque de réglage, voilà. Donc nous capable tourner sous lit à n'importe qui moment puisque son calque de réglage qui dynamique. Maintenant, nous pral taper yon texte. Nous pral taper yon texte. Aller dans outil texte. Voilà l'outil texte. OK, nous cliquer et puis nous taper un texte qui fait nous plaisir. Donc là texte nous pas visible parce que son texte blanc sur un fond blanc. Ctrl A pour sélectionner, cliquer là, moi choisir une autre couleur pour texte moi, on fait OK et voilà texte me apparaît. Là il y a dimension 15, on capable agrandir. Là, son texte qui est en chocade gothique. Donc, si nous avons un problème avec font, nous allons quitter. Nous sommes capables de choisir font qui fait nous plaisir. Même chose, nous allons faire contrôle T sur le texte. Hein, pour nous capables d'agrandir. Capable faire plus ou moins une dimension wash. Nous allons mettre un effet spécial sur le texte. Ça que nous avons là.
Et il y a plusieurs effets spéciaux que nous pouvons mettre, mais nous allons utiliser une déformation pour texte. Une fois qu'on clique là, nous prenons nos comptes. Il y a une possibilité pour texte noir les déformer. Voilà. Et si nous cliquons là, tout, dans WAP, côté marqué WAP là, nous sommes capables de choisir un type de déformation pour texte noir. Bon, étant donné que texte est wash moins li, moins le bon forme ovale, je vais chercher une déformation qui plus ou moins la même forme avec wash moins. Par exemple, nous sommes capables de choisir une flèche. Donc, ça, c'est une façon pour nous capable faire texte moyen, les plus ou moins prend forme wash moyen. Donc, nous-mêmes, dépendamment de qui wash nous choisissons, nous sommes capables de choisir n'importe qui et déformation qui fait nous plaisir. Une fois que nous sommes satisfaits, nous cliquons sur ce check ça pour nous valider. Ctrl T pour nous capable de rétrécir un petit peu texte moyen. Voilà. Et puis, cliquez sur ce check là pour nous valider. Donc, si nous double-cliquez sur côté texte, pas sur nom, mais sur côté layer, eh bien, on a accédé automatiquement à style de calque. Côté que nous sommes capables de mettre effet sur texte noir. Par exemple, nous sommes capables de mettre un effet de biseautage dans texte noir. OK. Il y a un effet de biseautage. Donc là, nous rassurons que prévions les cochés. Donc, effet de biseautage, nous avons remarqué les by texte noir, ils ont un aspect 3D. OK? Voilà. Il y a plusieurs styles de biseau. Par exemple, il y a biseautage externe, il y a biseautage interne, il y a estampage. Il y a estampage oreiller et puis il y a contour de l'estampage. Par exemple, si nous avons essayé estampage oreiller, estampage oreiller, lui-même, son effet qui bon impression que texte est ancré, qui bon impression que texte est ancré en dans wash. Def, c'est profondeur, size, c'est dimension, ok. Si nous essayons de jouer sur profondeur, voilà. Et puis tout, nous sommes capables de retirer couleur texte. Soit nous utiliser opacité layer, voilà, opacité, ou bien palette fond, fil. Même palette ça, yo disponible si vous cliquez sur option ça là, blending option. Donc, mais opacité, hein? Voilà. Opacité, li retirer, dans opacité texte, hein? Parce que non li très explicite. Mais tandis que palette fond, li même les retirer couleur texte, hein? Mais pourtant li quitter effet spécial qui sous texte. Hein? Voilà. Maintenant, vous remarquez, l'homme retiré fond, eh bien, effet spécial. Effet spécial a toujours été, mais couleur texte, les disparaître. Donc, comme satisfait, je fais OK. Donc, ça ne se fait là, c'est un effet spécial, nous fait son texte, mais texte a toujours été modifiable malgré tout. Parce que si nous voulons être capables de changer texte noir, n'importe qui le nous voulons. Voilà. Ctrl T pour capable. Voilà. Donc, nous capable changer texte noir autant de fois que nous voulons. Voilà. Bon. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser
la composition des calques pour nous capable simuler l'effet rollover que nous avons parlé. Par exemple, si nous retirons la visibilité calque, voilà, mais image normale, tandis que les nous faisons suivre là, mais ça nous voulons joindre les nous mettons cuisseur. Donc là, nous avons un petit genre dégoûtant pour bien cliquer sur deux calques et deux layers ça rapidement pour cacher lisibilité. Mais pour faire ça de manière automatique, nous allons utiliser la composition de calque. Ok, pour nous utiliser par la composition de calque, là, nous allons aller dans menu Window. Et puis Layer Comps. En français, ça s'appelle composition de calque. Donc, une fois que nous cliquons sur palette composition de calque, nous allons là dans le menu ça. Nous cliquons et puis nous disons nouvelle composition de calque. Nous quittons visibilité cochée. Ok, c'est en fonction de calque qui est visible, la fait. Nous sommes capables de brûler ça sur vol, par exemple. Bon, balion non, ça n'a pas aucune importance. Donc, c'est juste pour démonstration qui fait balion non, brûler sur vol. Nous sommes capables de faire en fonction de position, en fonction de visibilité, en fonction de l'apparence, dépendamment de qui ça n'a pas cherché. OK. Ensuite, moi cacher visibilité de layer ça. Moi recliquer là, dans le menu. Nouvelle composition de calque et puis probablement capable de brûler ça normal. On clique sur OK. Voilà. Donc là, chaque fois que nous cliquons sur une nasan caché, et bien là, voilà. Donc ça, c'est pour simuler survol qui n'a pas lieu. Donc, composition de calque, on va seulement utiliser leur site internet, mais tout. Capable d'utiliser l'offre pour conception pour client et que vous voulez montrer plusieurs et vous voulez montrer plusieurs versions de travail là, vous capable d'utiliser palette composition de calque là pour montrer différentes versions de travail. Bon, maintenant nous allons utiliser l'outil tranche qui est caché derrière l'outil crop tool, voilà, slice tool. Donc, une fois nous cliquons sur l'outil tranche, et puis nous tracer partie côté nous souhaiter, le cliquer qui est pour faire survol que nous avons cherché. Donc, l'outil tranche, une fois qu'on clique, c'est pour bail qui est définitif pour capable redimensionner. Voilà. Si toutefois tu fais trop petit ou bien trop gros, capable de dimensionner, capable de déplacer le dos. Voilà. OK. OK. Donc, toute partie ça, ok, nous sélectionner à partir outil tranche là, eh bien, à chaque fois que vous passez curseur dans zone 0, eh bien, n'a bien effet ça qui apparaît. Donc, si ça n'est le survol, là, même si j'entoure, même si tout, nous cliquons sur n'importe qui partie, n'importe côté en dedans, partie ça, que nous pourrons utiliser très bientôt, là, l'affaire survol là, eh bien, c'est partie ça qui pourrons cliquable ou bien qui pourrons changer d'aspect, là, nous pourrons gagner pour nous faire survol là. OK. Outil tranchant, là, fin fait, gain tout outil sélecteur de tranches qui va permettre de sélectionner plusieurs tranches. OK. Voilà. Donc, n'a pas remarqué là, gain un tissu infini. Tissu infini, ça, c'est tranche que Photoshop lui fait automatiquement. Mais tandis que tranche nous faisons, nous avons marqué un numéro devant. Par exemple, tranche ça me fait, c'est tranche 03. Donc, pour nous capables de voir l'importance de l'outil tranchant,
Donc, c'est exporter, nous obliger exporter travail non, pour nous capables de comprendre l'utilité de tranche là. Non, ça n'a pas fait. Mais bien avant, faut nous enregistrer fichier noir. OK. Fichier save as. Et là, on a pas enregistré un fichier pour web. Pour mi bagala, nous pas doué mettre accent. Donc ça veut dire pas doué gain accent dans non n'a bay fichier noir. Ça son premier mise en garde. Deuxièmement, pas de gain espace. Donc pour ta rele survol et pour dire Photoshop, c'est pas bon, pas de gain espace. Bien au contraire, espace yo doit remplacer soit par un tiret ou bien par un underscore. Et puis tout pas de gain un nom qui trop long. Ça veut dire un nom qui dépasse 32 caractères. Évitez tout majuscule. OK, évitez majuscule là non n'a pas fichier nous. Évitez tout lettre accentuée. Donc un pas de gain accent sinon et l'on va le transférer vers un et logiciel FTP. Donc logiciel ça pas reconnaître fichier là. Pas de gain espace. Au contraire, mettez underscore ou bien tiret. Pas de gain non qui trop long. Ça veut dire un nom qui dépasse 32 caractères. Pas de gain aucun nom qui commence par des chiffres. Et puis, évitez majuscule dans nom. Évitez accent dans nom. Voilà. Donc là, on a sauvegardé fichier noir. Par exemple, on doit relier sur vol, par exemple. Et m'a tout profiter créer un folder capable de mon premier design site web. Donc nous même nous capable d'aller dans nous faire enter et puis me faire open et puis save. Donc maintenant fichier maintenant les sauvegarder. Quand on a la nobral exporter fichier noir, nous allons exporter tranche noir pour le web. Donc on aller dans file et puis export save for web export sauvegarder pour le web. Voilà. Donc là nous gagnons deux vignettes. OK, ça c'est original là, on a remarqué. Survol.psd et puis ça c'est ça nous va exporter hein. Bien avant nous exporter, nous capable décider ou bien indiquer quel type HTML que nous voulons générer. Pour nous faire ça, nous aller là dans menu ça en haut à droite et puis nous fait edit output settings, modifier les paramètres de sortie. Voilà pour HTML, nous quitter en sortie pour XHTML, ensuite pour les tranches slice, au lieu que nous choisir générer la table. Donc ça c'était on ça au téléphone fait site internet longtemps forme de table, mais de préférence n'a coché générer la CSS pour être capable bien un CSS moderne. Ensuite background, bon nous va gagner n'a bien pour donner ça probablement très bientôt. Saving files, bon bref ça va important, mais ça qui est important c'est que pour HTML nous besoin sortir en XHTML. Ensuite pour les tranches, nous besoin que le générer CSS pour nous avec ça les ID que nous t'ouais dans CSS et puis nous cliquer sur OK. Donc remarquez bien, ça a pas changé en rien dans export que nous allons faire, mais c'est juste une façon pour nous capable de régler exportation page noire que nous à faire.
Là, nous choisissons PNG8 pour fichier nous capables plus léger. Nous sommes capables de choisir JPEG, c'est pas grave, ou bien PNG 24, même choisir PNG 8 pour capable d'avoir un fichier qui est plus léger. OK? Donc, nous avons marqué l'AMD à 1,03 MB. Tandis que là, nous avons 22,5 kilobytes. Donc, l'AMD a un fichier qui est méga. Là, nous avons kilobytes. Ensuite, nous quittons la perception, diffusion. OK. Voilà. Maintenant, nous sommes capables de profiter, sélectionner tout tranchement, pour essayer tout chiffre. Et puis, je sélectionne, je clique sur chaque tranche, je sélectionne. Ensuite, je fais Save. OK, je vais aller dans folder de créer. Hein? Je vais déléguer. Comment déléguer mon premier? Est-ce que c'est dans My Document Cinematel? Bah, songez. Bon, bah ouais, en tout cas, ma prenons l'autre. Ok, ma prenons l'autre, ma brûlée. Premier design. Web. Puisque bah, il faut le décrire. Premier design web. Et puis, là, demandez, mais si c'est image seulement m'a exporté. C'est HTML avec image. La bon, background qui était sous background et puis les tranches, est-ce que c'est toute tranche? Est-ce que c'est toute tranche? Moi-même, moi, t'ai créé toute tranche. Ça veut dire tranche Photoshop, t'ai créé avec ça, me créé all user tranche et slides. Toutes les tranches utilisateurs, c'est tranche moi-même, t'ai créé et son façon pour me dire, pas besoin pas Photoshop. Yo. Ou bien tranche sélectionnée. Là, on me dit toutes les tranches. Et puis, on fait save. Donc, nous allons aller dans le folder pour nous voir qui ça bail comme résultat. Ensuite, premier, mes folders là. OK, c'est une double-cliquer là. Mais HTML moyen. Et puis, mes images moyen là. De manière fractionnée. Voilà, ça, c'est toute tranche, c'est le résultat de toute tranche, ça, c'est ça, Photoshop fait automatiquement, mais tandis que, mais ça, moi-même, moi, t'ai fait. Donc, on y a là, on va le faire over 1 à partir de ça. Donc, ça, c'est lui-même qui va le servir comme over 1. On va essayer faire un lot image normale à partir de ça. On va essayer de renommer ça. Fait clic droit sur lui, rename. M'a brûlé les et wallover. OK. Ensuite, nous tournons dans fichier Photoshop moyen. Moi, aller dans fichier, exporter. Fichier, exporter. Exporter pour le web. Voilà. Ensuite, cliquez sur tranche moyen. Sur ça, j'ai besoin de sélectionner. C'est seulement partie ça, j'ai besoin. Ah, mais bien avant, il faut que je retire l'effet. J'ai oublié ça. Je retire l'effet parce que c'est normal, j'ai besoin. Fichier. Exporter. Pour le web. Voilà. Cliquez. Donc, je suis sûr que même ça a toujours été comme paramètre. Faire save. Donc là, pas besoin d'exporter HTML moyen. J'ai seulement besoin d'image. Est-ce que j'ai besoin de toute tranche? Non. Seulement tranche qui est sélectionnée. Voilà. Seulement image. Et puis, tranche qui est sélectionnée. Donc, c'est ça seulement besoin. Ça seulement besoin. Et dans folder image que je souhaite générer à partir de export, je souhaite faire. Merci.
on a les folder mon ouais voilà donc là j'ai image ça normal et puis j'ai ça pour le servir comme survol comme wallover qui m'a cherché donc voilà maintenant nous allons utiliser Dreamweaver pour être capable faire wallover noir clic droit ouvrir avec Adobe Dreamweaver. Donc si nous-mêmes nous voulons nous capable utiliser j'aime bien dire noir on l'autre éditeur de texte soit Sublime Text ou bien Notepad++ soit nous servir avec Sublime Text bon moi c'est gain Sublime Text voilà nous capable servir avec Sublime Text ou bien Notepad++ ou du moins nous servir même j'avais avec Adobe Dreamweaver. Mais songez que Adobe Dreamweaver est très très mal vu dans le milieu professionnel monde qui a créé cet internet puisque estimé code li pas propre. Donc c'est ça que vous conseillez si vous faites cet internet au lieu que vous utilisez Dreamweaver, eh bien il est préférable pour utiliser un éditeur de texte nous connaît qui en pile professionnel la question cet internet utilisé pour créer cet internet. Mais nous-mêmes nous utiliser Dreamweaver c'est juste pour être capable de gagner en fait ouais automatiquement résultat et que nous cherchons. Donc là nous sommes Dreamweaver view split split vertical donc un code que Photoshop généré voilà. Ok. Ah, moi, le bon TD, donc tableau, probablement, il y a un bagage qui mal marché puisque il n'y a pas de 10 views. Il n'y a pas de 10 views. Qui était mal regardé, qui s'est passé. Bon, malgré le fond, l'autre export. Moi, je vais essayer de faire un autre export parce que je suis sûr que. Il était utilisé CSS là puisque moi je me rends compte il y a un bon tableau parce que TD voulait dire tableau on va regarder dans paramètres encore est-ce que me décocher ça sorti XHTML tranche générer la CSS probablement c'est ça qui était arrêté générer la table or de dire non faut non cocher générer la CSS et puis une fait OK il t'a supposé arrêter donc même si me tourne encore même paramètre t'a toujours été donc voilà donc tout à l'heure il t'a généré des tabs que c'est pas de ça me t'a cherché ensuite moins pour ces chiffres moins sélectionner toute tranche OK et puis me faire save là puisque moi commencer net moi dit html et image toutes les tranches et puis me faire save OK mais image vraie OK voilà. Mais cette fois-ci, j'ai une image normale, qu'on a l'ambral, réexporter l'image pour me capable bien seulement et survolant. Donc, puisque j'ai le normal, je quitte. Moi, pour exporter version ça. Exporter pour le web. OK. J'ai l'image seulement. Tranche sélectionné donc l'imbrelli mettez un wallover derrière lui pour capable connaître c'est lui même cap fait wallover et m'a tout rappelé nous tout pas cliquer sur image si nous va le l'autre folder image donc nous mettre quitter le comme ça save et puis voilà donc voilà l'autre image qui va servir nous comme wallover.
OK. Ensuite, nous allons dans fiche HTML noir, on ouvre là avec jumeau 20. OK, jumeau 20 a placé la motivation. OK, on a l'ina split, split vertical. Donc, si nous allons avec de manière horizontale, OK. Donc, voilà. Là, mes 10 voyons. Tandis que tu as l'alte bomb TD, T-ball. Donc, ça aussi, CSS, c'est toutefois nous effacer toute image à monter une sur l'autre. OK. OK, mais divio. OK. Monsieur, nous connaissons qui ça divio. OK. Donc, chaque fois que nous cliquons, nous partons, nous tranchons dans l'image, nous avons le code qui correspond. Donc, puisque c'est parti, ça nous a besoin de faire wall over sur le lien. Nous cliquons sur le lien, et bien, c'est l'image qui correspond à elle. Eh bien, nous allons aller facile. Voilà. Là, nous venons, yon vide. C'est normal. Maintenant, nous allons faire rollover avec JavaScript, puisque nous, au courant que nous sommes capables d'utiliser CSS pour nous faire rollover, même j'ai tenu à utiliser JavaScript. Maintenant, sur le même texte, nous allons utiliser JavaScript, c'est dans insert. OK, insert. HTML. Et puis, wall over image. Là, l'image pour nous chercher image originale noire et puis deuxièmement image qui a servi nous de wall over. Browse. Allez côté me défait folder maintenant. Premier site web. Mais image originale moi. OK. Fait OK. Image cap serving de wall over bose many image cap serving de wall over fait OK. Là c'est un texte alternatif. Là c'est un autre site internet. Si toutefois vous voulez mener, vous voulez le mener vers un autre site internet, vous tout mettez là. Donc là chaque fois cliquez sur wall over là, la menon vers site internet ça que ou même ou choisi mettez dans partie ça. Ensuite vous faites OK et voilà. OK, on a visualisé. Voilà. Donc chaque fois je passe le curseur sur wash moi, eh bien nous le wash, il change d'aspect. Et voilà. Et si je clique sur lui, sauf que ça va marcher, là je clique sur le de même vers site internet que je mette, ça va marcher. Mais nous sommes capables de faire, c'est pas grave. Voilà. Là, c'est le site que je dédie pour le mener vers lui-même. Et si toutefois nous voulons ouvrir une nouvelle page, nous cliquons sur le lien qui a mis target égal underscore blank. Voilà. Sauvegarder. Je fais F5 pour me refresh ou bien CTRL R. Je clique. Je mène effectivement vers l'autre site là. Mais qui t'a semblé injoignable. Tout à l'heure.
Ah, ok, le bagage site là, bagage HTTP qui était modifié le tir. Ok, site là, c'était ça. Ctrl S, je me sauvegarde. Voilà, site là, c'était ça. On peut mettre n'importe qui site qui fait nous plaisir nous-mêmes. Et puis là, je vais venir, soit me faire Ctrl R ou bien F5. Voilà. Et bien, on clique, l'imène vers l'autre site internet là. Donc voilà. Bon, ça, c'est assez simple. Et j'aime dire non, c'est un début de site internet hein, à partir de Photoshop. Bon. Nous-mêmes, mais ça nous va le gagner pour nous faire comme exercice pour moi. Avant même de nous poursuivre avec quoi. Par exemple, moi souhaiter nous joindre n'importe qui image sur Internet qui fait nous plaisir. Ensuite, à partir de l'image, ça, non seulement on a fait all over, ça, ou chaque fois passer sur une. So, you know, wash your li change aspect. Et yon texte qui paraît. Et chaque fois que je clique sur un texte, j'ai un texte qui correspond avec wash que je clique sur lien. Ok? Si je clique sur l'option, il bon yon le texte. Donc voilà. Mais ça, m'a tant d'amener comme devoir pour nous capables poursuivre. Et quoi. Donc ça c'est premier devoir nous gagner et en attendant m'a partagé probablement image que vous utilisez avec nous avec l'autre image que déjà nous même j'attends nous même nous capables utiliser l'autre image qui fait nous plaisir pour nous capables réaliser devoir ça. OK? On reprend. Nous pour aller prend une image qui fait nous plaisir et puis n'a réalisé tout ça me faire là all over mais ça nous va le faire en plus c'est que nous-mêmes les nous cliquer sur you dans all over noir you dans survol nous besoin gain un texte qui paraît sous côté image même j'ai ça voilà. Donc, dis-nous à la prochaine et m'attendre résultat de voix noire avant même nous passer dans la deuxième partie cours.